Tout le monde, la leçon d'aujourd'hui, c'est l'organisation et le traitement des données, page 59. Donc aujourd'hui, on va apprendre comment classer des objets selon un seul critère et comment on peut trouver l'objet intrus. On va chercher l'intrus. Regardez avec moi, on a chien, chat, souris, chocolat et grenouille. Donc, on va chercher l'intrus. L'intrus, al-unsur, ad-dakhil, c'est-à-dire celui qui ne ressemble pas au groupe. Chien, chat, souris, grenouille. Donc, l'intrus, c'est le chocolat. Et maintenant, le deuxième exemple, je vais vous montrer comment on peut choisir le critère. Regardez, j'ai ici plusieurs pièces de monnaie et billets. Donc, le critère, c'est la valeur. On va les ranger selon leur valeur. Regardez avec moi, j'ai des pièces de monnaie de 10 dirhams, des pièces de monnaie de 5 dirhams et des pièces de monnaie de 1 seul dirham et un billet de 20 dirhams. Donc, je commence. J'ai combien de pièces de 1 dirham? Je compte 1, 2, 3. J'écris 3. J'ai combien de pièces de monnaie de 5 dirhams? 1, 2, 3. Donc, j'ai 3 pièces de monnaie de 5 dirhams. J'ai combien de pièces de monnaie de 10 dirhams? Je compte 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 pièces de monnaie de 10 dirhams. Et j'ai combien de billets de 20 dirhams?